Eh bien, nous allons parler maintenant de la question de la francophonie de la langue française. Nous sommes à l'orée de la semaine de la francophonie et de la langue française, qui est une manifestation non pas seulement française, mais véritablement mondiale. La première des choses qu'il faut quand même signaler, c'est que l'affaire du slogan en anglais « Made for Sharing » qui a été installé sur la tour Eiffel a fait grand scandale, à l'initiative notamment de l'association Courriel et de toutes celles qui se sont jointes dans une vaste protestation qui a eu un grand effet. Tout récemment, des sondages ont montré que la grande majorité des Français désapprouvaient ce slogan en anglais qui prostitue à la fois la capitale de la France, la langue française, la France elle-même, pour pouvoir décrocher les contrats juteux, les contrats commerciaux juteux des Jeux Olympiques, et que donc en fait en gros cela signifie que la France est prête à vendre son âme pour pouvoir effectivement donc disposer de la manne des Jeux Olympiques, à supposer que cette manne ne soit pas en réalité, notamment pour les contribuables et les petites gens, sinon pour les grandes entreprises, une ruine, mais c'est un autre sujet. Ce que je voudrais donc ici surtout demander, en tant que militant du mouvement ouvrier et progressiste, c'est que le mouvement ouvrier s'empare sans tarder de cette grande question de la langue. C'est une tradition du mouvement ouvrier que de faire très attention aux questions linguistiques et politiques. Déjà Antonio Gramsci, fondateur du Parti communiste italien, qui a été donc un martyr du fascisme, mais qui était aussi un linguiste, attirait l'attention de ses lecteurs dans ses cahiers de prison sur le fait que la langue est une question politique absolument structurante et transversale, et que toute classe qui veut véritablement influencer sur le devenir de son propre pays et de sa nation doit au premier chef s'intéresser aux questions linguistiques, et en particulier, Gramsci y insistait, défendre sa langue nationale. Or aujourd'hui, nous sommes bel et bien en face d'une politique linguistique, une politique linguistique à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Union européenne, et peut-être même à l'échelle du monde, qui vise tout simplement à imposer une langue unique, celle des affaires et de l'entreprise. C'est ainsi que parlait le baron Seyer, qui a été quelque temps donc le président du MEDEF en France, puis qui est devenu ensuite celui de Business Europe, le syndicat patronal européen. La langue des affaires et de l'entreprise, je dis bien la langue. C'est-à-dire en réalité qu'on veut faire en sorte que pour installer solidement le marché unique européen et peut-être même le grand marché transatlantique, ces gêneuses que sont les langues françaises, allemandes, italiennes, espagnoles, etc., soient écartées du paysage. Elles sont gênantes. Elles obligent effectivement donc à penser, à consommer, à voir les choses différemment. Et cette différence est une grande gêne pour ceux qui veulent normaliser le profit mondial et bien entendu, de cette façon-là, maximiser leur profit. Je crois aussi que cette politique qui est en cours, effectivement, est sous-estimée très largement par notre peuple et par les progressistes. Pourtant, quand même, les exemples sont accablants. Il suffit d'ouvrir les yeux autour de nous. Il suffit tout simplement de regarder, par exemple, les programmes de TF1, une chaîne très regardée. Les émissions les plus courues s'appellent The Wall, s'appellent The Voice ou The Voice Kids. Hein, ce sont les enfants maintenant qu'on entraîne à chanter en anglais aux heures de grande écoute, pardon, aux heures de prime time, n'est-ce pas ? Et de voir qu'une nouvelle chaîne qui vient d'apparaître sur le paysage audiovisuel français s'appelle CNews, et que bon, des journaux, des revues s'intitulent froidement « Oui demain », « Oui » étant écrit non pas « O-U-I » mais « W-E », ce qui est tout un programme et qui veut bien dire que aujourd'hui c'est le français, mais demain ça sera l'anglais pour tout le monde. Et par conséquent, véritablement, je dirais en pesant mes mots que nous avons affaire à une politique d'exterminisme culturel qui vise tout simplement à liquider les langues nationales au profit d'un idiome qui est celui, non pas tellement d'ailleurs, de Shakespeare évidemment. Nous n'avons rien contre l'anglais en tant que tel, pas plus que contre quelques langues que ce soit, mais le tout anglais, ou plus exactement le tout globish, cet idiome du business, appelons-le par un nom que ces gens-là puissent comprendre, et qui effectivement donc porte en elle aussi toute une idéologie néolibérale, en mettant au premier plan en permanence les pseudo-valeurs effectivement mercantiles de l'argent roi. Regardons aussi quand même autour de nous, d'une façon générale, ce qui est en train de se produire, notamment dans les entreprises.
Volkswagen a récemment abandonné l'allemand en tant que langue intérieure de l'entreprise et donc a viré au tout anglais. Dans nos entreprises comme PSA ou comme Renault, c'est la même chose. La documentation interne est désormais donc en anglais. Est-ce qu'on ne voit pas l'énorme humiliation nationale que cela signifie pour la France, mais aussi pour les travailleurs français ou non français, mais francophones, qui travaillent sur notre territoire? Est-ce qu'on ne voit pas aussi la discrimination que cela institue entre ceux qui sont tout en haut de l'échelle, les English Mother Tongue, c'est-à-dire les anglophones de langue maternelle, au milieu, ben, ceux qui baragouinent plus ou moins le globish et qui croient parler anglais, mais qui souvent sont vite largués quand on entre dans le détail des choses, et tout en bas de l'échelle, effectivement, eh bien, cette masse de Français qui, tout simplement, a bien le droit de parler, c'est déjà pas si mal, sa langue, et peut-être, si elle parle d'autres langues étrangères, de ne pas parler nécessairement l'anglais, de parler, pourquoi pas, l'espagnol, l'allemand, l'italien, ou l'arabe, ou d'autres langues qui peuvent avoir cours aussi sur notre territoire. Donc, ce qu'on est en train de faire dans ce pays, c'est tout simplement une politique de discrimination linguistique géante par laquelle une petite élite va pouvoir se reconnaître, s'identifier au niveau de l'Europe, au niveau de la planète, par la langue qu'elle utilise, se distinguer de la masse des ploucs, passez-moi l'expression, qui ne parlent pas l'idiome sacro-saint, et tout en bas, effectivement, de l'échelle, eh bien, ceux qui ne seront que francophones, que italophones, etc. Et bien entendu, disant cela, je suis partisan du plurilinguisme, de la pluralité linguistique, qui est justement le contraire de la langue unique. Donc pourquoi le tout anglais? Alors que, bon, dans notre pays, la tradition, c'était par exemple d'enseigner dans les collèges et lycées deux langues, et par conséquent, effectivement, d'ouvrir réellement sur la culture des pays voisins. À condition, naturellement, ça paraît naturel, ça paraît normal que la même chose se fasse également en sens inverse, y compris que les pays anglophones, ça ne leur ferait pas plus de mal que ça, apprennent également un petit peu les langues étrangères et apprennent à voir qu'ils ne sont pas les seuls au monde, qu'il y a d'autres cultures. Alors qu'on nous bassine sans cesse avec le modèle anglo-saxon. Donc soyons ici conscients de cette politique de substitution linguistique qui n'est pas un enrichissement de la langue, puisqu'il ne s'agit pas d'emprunter des mots nouveaux que le français n'aurait pas, mais sans arrêt de substituer des mots anglais à des mots français que tout le monde connaît depuis tout le temps, voire à la SNCF, les TGV Night, on ne peut pas dire nuit en français, les Family TGV, Pulse chez EDF. J'en passe et des encore pires si on regarde bien autour de soi. Faisons attention donc à notre langue, elle est fragile. Hein, et je m'adresse en particulier aux jeunes, ne vous laissez pas piéger par cette idée que ce serait moderne effectivement que d'assassiner sa langue maternelle. Quand on n'est pas solidement enraciné dans son histoire, dans son passé, on ne peut pas affronter l'avenir. Ou si on l'affronte en position nécessairement dominée, subalterne, aliénée, j'allais dire colonisée. Cela étant, effectivement, la grande question qui se pose maintenant, c'est celle du mouvement ouvrier. Ou bien il s'empare rapidement de cette question, comme le faisait par exemple Louis Aragon à l'époque où il éditait les lettres françaises pour le compte du Parti communiste français, ou par exemple, effectivement, eh bien, des grands locuteurs de cette langue aussi, comme Aimé Césaire, qui peut très bien être un anticolonialiste et s'exprimer dans la langue française, dont certains vont jusqu'à dire, dans les pays qui ont été colonisés jadis par la France, qu'elle est une prise de guerre. Eh bien, partageons cette langue française, elle est faite pour partager, elle n'est pas made for sharing, elle est faite pour partager avec le monde entier. Si d'ailleurs le mouvement ouvrier ne le faisait pas, ne s'empressait pas de faire le nécessaire de ce point de vue-là, eh bien, c'est triste à dire, mais il lui arriverait ce qui lui est déjà arrivé pour le drapeau tricolore ou pour la Marseillaise. Une fausse acception de l'internationalisme a trop souvent conduit à abandonner à Marine Le Pen, aux xénophobes, aux forces racistes et à d'autres encore. Le drapeau tricolore est à nous, il est né sur les champs de bataille de la Révolution française à Valmy. Il a été porté héroïquement par les francs-tireurs et partisans de France ou de la main-d'œuvre immigrée pendant la Seconde Guerre mondiale. De même que la Marseillaise, eh bien, si on l'écoute un petit peu, elle ne dit pas God save the Queen, elle ne dit pas que Dieu sauve le roi, elle dit aux armes citoyens, elle appelle à l'insurrection populaire, elle appelle à la souveraineté. Il n'y a pas de honte à chanter un tel chant, dont je rappelle que les prolétaires russes l'ont chanté à l'assaut du Palais d'Hiver en 1917.
D'une manière plus générale, ce qui est très important, c'est que les peuples du monde entier se coalisent pour imposer la diversité linguistique. Le véritable internationalisme, ce n'est pas l'écrasement par la langue unique, ce monde triste avec une seule cuisine, McDo, une seule culture, Hollywood, une seule langue, le globish. Quel serait l'intérêt de voyager dans un monde pareil où toute chose serait identique et où les maîtres domineraient simplement un petit peu mieux l'idiome, les autres se démarquant par leur patois ou leur accent anglais défectueux. Non, l'internationalisme, c'est effectivement d'échanger les langues, les cultures. Je termine sur une belle phrase d'un Européen, d'un internationaliste incontestable, qui était l'écrivain italien Umberto Eco, l'auteur du Nom de la Rose, que tout le monde connaît, je pense. Umberto Eco, quand on lui demandait quelle est la langue de l'Europe, il ne répondait pas l'italien, il n'était pas nationaliste, il ne répondait pas l'anglais, il n'était pas euro-mondialiste au sens mercantile du terme, il répondait la langue de l'Europe, c'est la traduction, c'est-à-dire la pluralité des langues, l'échange à égalité entre toutes les langues et entre toutes les cultures. Je ne milite pas pour le tout français, ni pour le tout anglais, ni pour le tout italien, je milite pour l'égalité des peuples. Donc l'égalité de leur langue et la défense, pour ce qui concerne la France, de ce socle commun de la nation, de cette langue de la République inscrite dans l'article 2 de la Constitution, de ce premier service public de France qui nous est si nécessaire. Si demain la diversité linguistique mondiale disparaissait emportée par le tout anglais, ça ne serait pas moins grave que si la biodiversité est détruite au niveau des espèces. Alors, même ceux qui sont écologistes doivent cesser de croire qu'en employant l'anglais, on est moderne, en employant systématiquement l'anglais, on est moderne. Il est nécessaire de défendre aussi la pluralité des cultures. Quand une langue meurt, c'est une culture, c'est un peuple qui disparaît, c'est une façon de voir le monde qui disparaît. Et c'est, oui, employons le terme, le totalitarisme capitaliste effrayant, exterministe, ce rouleau compresseur des peuples et des cultures qui triomphe. Est-ce qu'on va laisser triompher ce genre de choses? La résistance ne se divise pas, la résistance sociale, la résistance culturelle et la résistance linguistique doivent marcher du même pas. Merci.